Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce moment de prière que nous reprenons, ma collègue Béatrice Cléromazir et moi-même, à partir d'aujourd'hui, mercredi 4 novembre. Nous aurions préféré que ce second confinement n'ait pas lieu, mais il nous faut faire avec l'urgence sanitaire et qui demande à la fois notre solidarité et la prise de nos responsabilités pour protéger autrui, tout en faisant attention à nous-mêmes. Nous sommes invités chaque jour à la prudence. J'ai choisi de lire avec vous, dans le livre des psaumes, le psaume 72. C'est un psaume écrit par Salomon. « Ô Dieu, donne au roi tes jugements, au fils du roi ta justice. Il jugera ton peuple avec justice, et tes pauvres selon l'équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines avec la justice. Il fera droit aux pauvres du peuple, il sauvera les fils du déshérité, il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il descendra comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la terre. En ces jours, le juste fleurira et la paix abondera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes. Les rois de Saba et de Sheba offriront des présents, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations lui seront soumises. Car il délivrera le déshérité qui appelle à l'aide et le pauvre qui n'a aucun secours. Il aura pitié du faible et du déshérité et il sauvera la vie de chacun. Il les sauvera de l'oppression et de la violence, leur sang aura du prix à ses yeux. Qu'il vive et qu'on lui donne de l'or, qu'on prie pour lui sans cesse et qu'on le bénisse constamment. Il y aura abondance de blé dans le pays, au sommet des montagnes son fruit frémira comme le Liban, et de la ville les hommes s'épanouiront comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira, toutes les nations le déclareront heureux. Béni soit le Seigneur Dieu, le roi d'Israël. Lui seul fait des choses étonnantes. Béni soit pour toujours son nom glorieux. Béni soit pour toujours son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Mes amis, je vous souhaite une très belle journée. Nous restons reliés les uns aux autres par la prière, la pensée et l'amitié.